Donc je m'appelle Sébastien Colas, je travaille seul sur l'exploitation. Je suis en société ERL, donc j'ai 50 vaches en permanence pour produire un quota de 450 000 litres de lait, principalement à l'herbe, tant que possible. Donc j'ai un télescopique JCB AgriPro de 145 chevaux, c'est le 531-70 que j'ai au mois de novembre 2016, qui fait principalement du curage de sabulation, empiler des bottes d'enrubanage, bottes de foin et bottes de paille. J'ai été agréablement surpris par la transmission qui est très souple. La précision au travail très souple aussi. C'est une machine fonctionnelle qui s'adapte à tout type de chauffeur. Niveau suspension de flèche, c'est une suspension qui marche très bien et qui est vraiment confortable et qui se voit, qui donne un meilleur confort avec l'outil lors de la traversée de ferme ou de curage de sabulation qui a avancé, reculé. On peut faire ça rapidement et on n'est pas secoué. Le joystick est très, très bien fait, c'est tout simple, mais c'est très facile d'utilisation. C'est facile de travailler avec la machine, il n'y a pas besoin d'expliquer pendant... On s'adapte tout de suite au joystick, il n'y a rien de compliqué, c'est facile. La transmission est quasiment complètement automatique, c'est facile d'utilisation, aussi bien pour un jeune qui débute qu'une personne aguerrie. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est vraiment rapide. Suivant le dosage au pied, on démarre de 0 à 40 en très peu de temps. Bon, je pense que c'est raisonnable. La consommation reste raisonnable. Sur route, c'est pareil. Au départ, j'appréhendais du mode hydrostatique au mode power shift, j'appréhendais un petit peu. Et en fin de compte, j'ai été très agréablement surpris du passage entre les deux. Très souple. On n'entend quasiment rien, ça se fait tout seul, il n'y a rien besoin de faire et c'est vraiment confortable. Au départ, je me suis dit, il est tellement souple qu'il n'aura pas de puissance pour pousser, quoi. À l'utilisation, j'ai vu que c'était pas vrai, quoi. Donc c'est vraiment une machine polyvalente qui peut faire tout. Cette machine est très confortable, j'estime que c'est très facile à monter dedans, on est très bien assis dans le siège. Le siège est très souple, du moins la suspension de flèche. Ça donne une machine très souple, facile d'utilisation et très agréable à conduire. C'est une machine qu'on peut utiliser la nuit et on voit comme au plein jour. Et c'est très pratique dans les bâtiments sombres, parce que en hiver, avec la poussière de la pailleuse, des fois les journées sombres, ça aide bien à la précision des travaux. Je recommande donc cette machine aux agriculteurs.